Bonjour, je m'appelle Michel Léjard, puis aujourd'hui je vais vous faire visiter la nouvelle salle des marchés de la faculté d'administration. Elle a été inaugurée en novembre 2009 et à la fine pointe de la technologie, donc si vous voulez, suivez-moi. Premièrement, bienvenue à la salle des marchés. Salut Brigitte, qu'est-ce qui se passe ici? Je me tiens à jour avec les nouvelles économiques. C'est bien. Je vois qu'on a des rapports annuels qu'on peut consulter aussi. Oui. Et on est branché sur le programme CNN afin de se tenir à jour avec les actualités financières et économiques. Ici, on est en présence de Prisca Etienne. Bonjour Prisca. Bonjour. Pourrais-tu nous expliquer ce qu'on a ici? Oui. Donc, la salle est équipée de 10 postes d'ordinateurs, dont chacun est muni de 3 écrans. Et sur chacun de ces postes, on retrouve entre autres les programmes Thomson One et CPMS qui nous permettent d'analyser en profondeur l'information financière. Ah, c'est intéressant. Merci beaucoup. Ici, je suis en présence de Samuel, qui va nous expliquer un peu comment marche le RISE Display. Bonjour Samuel. Bonjour Michel. Alors, notre premier écran ici, on voit la valeur des grandes devises mondiales, ainsi que les taux d'intérêt au Canada et le prix des denrées en temps réel. Le deuxième écran nous indique les gains et les pertes des grands indices boursiers et les titres gagnants et perdants à la Bourse de Toronto durant la journée. Merci. On a pensé que les marchés sont quand même volatiles ces jours aussi. Salut Bradley, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a le portefeuille étudiant Louis Bourg qui fut construit à l'aide d'une analyse approfondie. Puis c'est nous, les étudiants en finance, qui gérons le portefeuille activement, qui était d'une valeur initiale de 100 000 $. Il performe assez bien ces temps-ci. Oui, comme on peut voir, présentement, le portefeuille est à 110 000. Grâce au Smart Board et au système vidéoconférence, on assiste présentement à une formation du CFA donnée à distance. François, je vous laisse continuer. Pour terminer, je suis en présence de Sébastien Deschênes, un des deux professeurs responsables de la salle des marchés. Salut Sébastien. Salut Michel. Si vous voulez plus d'informations sur la salle, vous pouvez me contacter ou consulter le site Internet de la salle des marchés. C'est avec un grand plaisir qu'on va vous accueillir à l'Université de Moncton pour vous enseigner la finance et profiter de la nouvelle salle des marchés.